There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world. Vous savez pourquoi les bois se fondent? C'est à cause du réchauffement climatique. Mais pour comprendre ce que c'est le réchauffement climatique, on doit savoir d'abord ce que c'est l'effet de serre. L'effet de serre est un phénomène important pour la survie de la planète. Surtout, il permet d'avoir une température moyenne sur Terre. Mais depuis le début de l'ère industrielle, l'homme a rejeté dans l'atmosphère des gaz qui augmentent artificiellement l'effet de serre. C'est ça le phénomène là, qu'on appelle réchauffement climatique. Eh bien, c'est donc l'augmentation de la concentration des gaz à l'effet de serre émis par les activités humaines que provoque le réchauffement des planètes. Les personnes ne se rendent pas compte de l'importance de ce thème. La Terre est en train de se réchauffer à cause de nous. Nous devons prendre des mesures. Les pôles se font et le niveau de la mer augmente en grande quantité. La couche d'ozone se casse chaque fois plus. Les rayons solaires sont chaque fois plus dangereux. Les risques naturels augmentent aussi. Il y aura plus de canicules, inondations, sécheresses, cyclones. De plus en plus, les animaux disparaissent. Les conséquences sont au niveau international. Néanmoins, il y a un million de façons d'éviter ce réchauffement. Par exemple, utiliser des moyens de transport qui n'émettent pas de gaz contaminants. Éviter l'utilisation d'électricité pour chauffer. De connecter les appareils électroniques qu'on n'utilise pas. Éteindre les lumières. Ne pas gaspiller de papier. Planter plus d'arbres. Utiliser l'énergie solaire. Et beaucoup d'autres choses. Donc, ne perdons pas le temps. La Terre est en danger. Agissons. Car un jour, on va avoir besoin de l'arbre qu'on a coupé pour respirer. C'est la seule planète qu'on a. C'est à nous de la soigner. Car l'être humain ne peut pas vivre sans la Terre. Et la Terre ne peut pas vivre sans l'être humain. C'est alors notre responsabilité, car le monde est dans nos mains. Et toi, que penses-tu faire?